Qui est en deuil? Qui est en deuil là? Aïe 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 aïe, mes petits gunners. J'ai même pas répondu aux commentaires encore. J'ai presque pas lu même. Mais je vais lire tout ça, répondre à tout ça là tranquillement. J'espère que vous allez bien. Ramtay, je l'ai toujours vu au-dessus de Raya au niveau des arrêts vraiment décisifs. Raya, ça se voit, il a des moments d'hésitation, que ce soit sur corner ou quelques frappes. Voilà le dernier commentaire en date. Sur le live, celui-là, contre Aston Villa. Il y a des gens qui commentent les lives aussi, ça me fait rire. Comment on se sent là, le Sparta Liverpool, comment tu vas? Comment, how are we feeling? La vidéo, le petit débrief là, il est à 900 vues à peu près. Donc bon, ça va, hein, pas la folie, mais. Mais c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin de lumière, hein, je pense. J'ai la flemme d'allumer une lumière là. C'est bon. Si, allez, c'est plus sympa. Comment ça va? C'est plus sympa. Comment ça va? Comment ça va? Comment vous allez là? Comment ils vont depuis hier là? Qui est triste? Qui est triste la team? Franchement, moi ça va. Hein, moi ça va, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai mis un tweet aujourd'hui, justement parce que à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais matrixé plus que ça, tu vois. Ça cogite, il nous dit. Ça va et toi? Moi, ça va, hein, ça va, ça va. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus matrixé. Et en fait, quand il y avait une défaite d'Arsenal le week-end, quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Donc, quand je te dis quand j'avais 16 ans, c'était il y a 10 ans quand même, hein, merde. Waouh, je commence à être vieux. Ouais, j'étais matrixé quand il y avait une défaite. Je pouvais être pas bien pendant une semaine entière. On perdait le samedi ou le dimanche. Ma semaine, je savais qu'elle était à chier. J'arrivais le lundi, j'étais là, j'étais bougon. Mardi, j'étais bougon. Non, mais vraiment. J'étais bougon toute la semaine. Maintenant, ça va, hein. Franchement, depuis quelques années, j'ai réussi. Bah, j'ai mûri par rapport à ça, tu vois. Donc, ça va. Salut Mimi, salut Laurier, salut Sen. En tant que supporter de City, je me suis régalé. En tant que supporter de City, vous avez fait l'opération. Du week-end. Vous avez fait l'opération du week-end. C'est le titre qui s'échappe. Bah écoute, écoute, ouais, c'est une défaite. Première ligue. Attends, première ligue. Classement. Classement de première ligue. Ouais. Donc City devant avec 73 points. Qui croit que City ne va pas tout gagner dans le sprint final? Ils vont tout gagner dans le sprint final, je pense. Salut Marc! Salut, mamzelle. City, je pense qu'ils vont tout gagner. Après, on n'est pas à l'abri parce que ils sont quand même moins forts que la saison dernière. Mais là, tu leur offres un boulevard. Penses-tu qu'on a encore une chance? Bah, franchement, à mon avis, ils vont battre le Real. Ils vont battre Chelsea aussi. Ils sont encore engagés dans plusieurs compétitions. Ils sont moins forts que l'année dernière. Il y a un monde où ils font une erreur quelque part, peut-être à Fulham ou à Tottenham, par exemple, c'est possible. Nottingham, ils vont gagner. Brighton, ils vont gagner. Donc, il y a un monde où ils font une erreur, mais même s'ils font une erreur, ça veut dire que nous, on aura tout gagné. Et nous, notre calendrier, on le sait depuis le début, depuis les 10 journées, quand on disait il reste 10 journées, on le sait que notre calendrier, c'était le plus dur. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on gagne tout pour l'instant. Et ça, c'est pas sûr. Salut Arwax! C'est fini pour nous les gars, même si City perd, nous on va pas tout gagner. Bah, c'est ce que je dis un peu quoi. C'est-à-dire qu'il suffit pas que Chelsea, que City gagne. Oh là là, je vais arriver. Il ne suffit pas que City perde quelques points quelque part. Il faut aussi que nous on gagne tous nos points. Mais quand tu sais que tu vas jouer Wolverhampton chez eux, Chelsea chez toi, Tottenham chez eux, United chez eux. Les gars, je vais pas vous mytho, ça semble pas bon, ça semble pas bon. Je suis surpris de Liverpool. Pourquoi t'es surpris? C'est un frérot, dommage pour nous, mais je nous vois avec Liverpool et City au même nombre de points à la fin. Ça se jouera la différence de but. C'est possible aussi, on verra, hein. On verra, Adama. Heureusement que j'ai 30 ans pour relativiser, sinon j'aurais tout cassé chez moi. Et heureusement aussi que j'ai travaillé pour penser à autre chose. Ouais, il faut se détacher de tout ça. Il faut réussir à se détacher. Toujours furieux contre Raya. Alors, attention. Quand il y a un match comme ça, forcément, il y a les émotions, tout ça, donc je suis furieux et tout.
Là, je ne suis pas furieux. Je ne peux pas. C'est pas possible. Un jour après, presque bientôt. Ouais, c'est ça. Un jour après, être furieux encore et tout. Moi, faut bien comprendre. Une fois que le match se termine, je fais mon contenu. Et une fois que j'ai fini de faire le contenu, je suis l'homme le plus heureux qu'il y a sur cette terre. Je suis là, je suis heureux. Ma famille se porte bien. Ma femme va bien. Tout va bien. On est heureux, on est bien, tu vois. Donc, non, je suis pas furieux contre qui que ce soit. Salut à Maurice, Arsenal père. T'as peur d'aller à l'école le lundi car les potes qui supportent Liverpool, Man City United, ils vont se moquer de toute la journée. C'est pas que à Maurice, c'est partout dans le monde, frérot. Bah, perdre contre Crystal Palace, c'est chaud. Bah, en vrai, Liverpool, moi, je les voyais pas comme un ouf. Hein. Enfin, je les voyais pas. Pour moi, Liverpool, quand j'ai vu Liverpool qui était devant, je me suis dit, ok, tranquille, ils peuvent rester devant, ça me dérange pas. Je sais qu'ils feront une erreur quelque part. Mais City, là, ça me dérange un peu. Salut, ça parle de quoi? Je viens d'arriver et je te connais pas. Salut Sim Sim. On parle du week-end de Première Ligue. Tout simplement. Furieux contre MDR, on va rien dire sur Zinchenko. Après, vous avez le droit, si vous voulez, d'être furieux. Moi, je me refuse. Une fois que le match se termine, je me refuse d'être furieux contre qui que ce soit. Vraiment, vraiment pas. Raya Zini, je veux plus les voir, c'est deux tocards. Aïe, 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 aïe. T'inquiète, comme je te l'ai dit, moi, je te comprends. Moi, je comprends. Preuve en est, hier, j'étais archi furieux contre lui et aussi contre Zinchenko. Moi, j'y crois encore, mais 11% maintenant. Bah, en fait, moi, c'est ça. Je suis là. J'étais furieux hier pendant le match parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Après, voilà quoi. Je vais pas me mettre dans des états pas possibles pour des millionnaires qui tapent un foot alors que moi, je suis encore là à galérer dans ma vie à moi, ma vraie vie, tu vois. Il y a une très mince chance qu'on gagne le championnat, mais si mes prières sont entendues, on gagnera. Tout est possible. De toute manière, c'est tant que mathématiquement c'est pas possible, il faut y croire, tu vois. Et c'est que du foot. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que quand tu gagnes et tout, t'es plus content. C'est normal, ton club il gagne et tout. Mais quand tu perds, il faut pas non plus que tu. Ça y est, tu remets ta vie en question, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Salut, tracking. Je crois toujours on est ensemble jusqu'à la dernière journée. Bah ouais, hein. Tant qu'on me dira pas mathématiquement it's over, bah moi je serai toujours là. Hein. Tu vas partir à l'enterrement de Arsenal demain soir. J'ai emmené des gâteaux à thème de Aston Villa. C'est mercredi soir l'enterrement d'Arsenal. C'est à l'Allianz Arena. Je vous donnerai l'adresse. Je sais pas si vous connaissez. C'est une petite adresse, une petite bourgade dans l'Allemagne. C'est une petite bourgade en Allemagne où il va se passer des choses sombres. Mercredi soir, 20... venez vers 21h. Venez vers 21h à peu près. Comment ça, l'enterrement? Non, non, non. Non, tu connais, on rigole, on rigole. Le foot n'est pas écrit à l'avance, rien n'est perdu et pour le moment, il faut aller à fond jusqu'au bout. Évidemment, évidemment, je troll, je troll. Vous me connaissez, je suis un trolleur. Aston Villa a été retrouvé, ils sont en prison pour meurtre. Salut Karma, comment tu vas? Ouais, c'était compliqué. Match compliqué, beaucoup de déchets de notre part, beaucoup de joueurs pas au niveau. Le coach aussi pour moi n'a pas été au niveau. Et voilà, ça se paye cash. Ça se paye cash. Ça se paye cash. Ça se paye cash. Et Aston Villa, du coup, nous auront battu à l'aller et au retour. Et ils ont pas immérité. Hein. Ils ont fait leur truc. Voilà. Hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment rien à dire. Moi, comme je disais, le petit bruit que vous entendez, pardon, c'est ça, mais c'est moi, je joue tout le temps avec des aimants comme ça, je suis désolé. J'ai besoin d'avoir des trucs dans les mains. Le vrai problème, c'est de savoir mentalement qu'est-ce qui se passe pour les Gunners. Est-ce que nos Gunners se chérissent? Ils sont abattus et ils vont prendre une rouste contre le Bayern ou pas, tu vois. Ça m'inquiète. C'est vraiment ce qui m'inquiète. 1-12 contre Villa et Fulham et on veut gagner le titre. Ah, c'est compliqué. On doit recruter à quel poste sur ce mercato d'après toi? Ouf, il y a du boulot. Hein. Arsenal peut toujours revenir parce que j'ai l'impression que le niveau d'Arsenal. Ah oui, d'accord, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment en vrai. Non, non, je joue pas Roblox. Pas vraiment en vrai parce que. On a un niveau qui est quand même correct hein, sur ce début de saison, on n'a pas perdu. Hein. Si tu regardes bien, c'est notre première défaite. C'était pas le bon moment pour perdre, mais c'est notre première défaite. Après la rumeur du départ de Zini qui part cet été, j'ai eu le smile. La rumeur, elle est quand même bien tombée. Hein. Moi, je suis toujours méfiant quand même.
quand il y a des timings comme ça sur certaines informations. Le mec te fait une disaster class et hop, petite news, il va partir, tu vois. Donc attention quand même. Attention, attention. On reste tranquille à ce niveau-là. Si à chaque mauvais match tu avais une amende, Raya serait SDF en train de faire la manche devant le stade. Crois-moi que là. Non, mais moi j'ai fait un petit débrief. Franchement, j'avais pas envie. Je vais vous dire la vérité, de vous à moi, là, on n'est pas beaucoup sur le live. J'avais pas envie. J'avais pas envie parce que pour moi, il méritait pas que je vienne là encore parler de ça, raconter ma life, machin. Et on est venu me dire petit débrief et tout. Le débrief, il fait 8 minutes 53. Le débrief contre Brighton, on a gagné 3-0, il fait 8 minutes 56. J'ai pas tout le temps 1000 trucs à dire. Le débrief contre Luton, on gagne 2-0, 9 minutes 30. Donc bon, j'ai rien dit, j'ai pas voulu faire le nerveux. Débrief contre City, 8 minutes 50. Bon, j'ai pas voulu faire le vieux nerveux ici et tout, tu vois. Mais non, mon débrief, il était rapide parce que mes débriefs sont en général assez rapides. Mais non, surtout, j'avais pas envie parce que juste, ils ont été trop nuls, quoi. Ils ont été trop, trop, trop mauvais. On va l'envoyer direct à la guerre. Oh, doucement. Salut Paul, comment tu vas? Salut Mamadou, salut bébé. Vous avez vu la joie des fans de Leverkusen? On ne la connaîtra jamais. Peut-être qu'on la connaîtra un jour, il faut y croire. Salut Randy, toujours pas remis. Je pense que jusqu'à mercredi, je vais faire la tronche. Moi, je te conseille de pas faire ça, frérot bébé. Parce que là, ça veut dire que tu gâches ton dimanche soir, ton lundi toute la journée. Salut Adja, comment tu vas? Ton lundi toute la journée, plus ta soirée. Ton mardi toute la journée, plus la soirée, ton mercredi toute la journée, et le soir, si on perd, c'est toute ta semaine. C'est toute ta semaine. Ça te va, un échange Zini-Kurzawa, pardon, le niveau change pas beaucoup. Bah, sinon, un échange Zini contre moi. Hein. Moi, je pense que je suis chaud. Hein. La peine n'est pas perdue. Je trouve les gens dans l'abus à chaque fois, il y a une défaite. Bah, Mamadou, c'est pas ça, c'est que t'as les stigmates de l'année dernière. Quand City passe devant, voilà, City ne lâche plus de points. Il n'y a que Odegaard qui était à la hauteur. C'est très souvent comme ça, même quand l'équipe va mal, en général, Odegaard, c'est le seul qui tient la baraque. Salut Funky! Comment il va, mon Funky? C'est pas bon pour le bonheur, le foot. Non, c'est juste qu'il faut que tu dissocies ton bonheur dans ta vie et ton bonheur dans le foot. Tu peux être triste dans le foot et heureux dans ta vie, frérot. Je te le souhaite. Salut Randy. Salut Jonah, comment tu vas? Si la rumeur sur Zini est vraie, je suis prêt à l'amener jusqu'à sa prochaine destination, mais loin de mon club. J'avais envie de lancer ce live parce que je me suis dit, il y en a où je sens que vous avez besoin de vider votre sac. Allez, donnez! Donnez-moi! Regardez, il a été bon si on compte tous ses matchs de la saison. Ouah, il a eu un mauvais départ, très très mauvais départ, puis une stabilisation, mais pas un apport de zinzin non plus par rapport à ce que faisait Ramsdale. C'est ça qui fait que les fans ont la rage en fait. Mercredi, j'ai envie de regarder Real City. À tout moment, mercredi, je me dis, les gars, j'ai une petite galère! Hop! Je ne fais pas de stream double écran Arsenal-Real de l'autre côté. Je ne fais pas de stream rien. Je suis fan depuis 2014, j'ai jamais connu le bonheur. Normal que je ne croie jamais en Arsenal. Malheureusement pour toi, tu es fan depuis 2014, donc forcément, tu n'as pas vraiment connu. Moi, je suis fan aussi. J'ai quel âge? Je suis né en 98. Donc, l'époque où ils étaient trop forts, je n'ai pas connu, j'étais trop jeune. Donc, je suis fan comme toi dans les mêmes années à peu près, peut-être un peu plus tôt quand même. Mais ouais, moi non plus, j'ai pas connu les grands moments et tout. Et c'est pas pour autant que j'y crois pas. J'essaie d'y croire. Salut Ryan, comment tu vas? Je pense que City à Tottenham à jouer, tu vois, faut y croire. Nous aussi, on a Tottenham à jouer. Hein. Le pire, c'est le matin, quand t'entends à la télé et à la radio le matin qu'Arsenal a perdu. Mais non, les gars. Pour moi, City vont faire une erreur, au moins un nul. Peut-être contre Fulham ou Tottenham, ouais. À un moment, à ce moment-là, la différence de but nous fera passer devant. Écoute, on verra. Mais nous, il faut qu'on gagne tout. Dans tous les cas, nous, en fait, notre objectif ne change pas. Il faut qu'on gagne tout. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que devant, ils vont faire une erreur ou pas. Après, il y a un monde où on se qualifie pour les demi. Mais bien sûr qu'il y a un monde où on se qualifie pour les demi. On est encore en course, hein. On a fait match nul, là, chez nous. C'est pas fini, hein. Me dire qu'on n'a pas trop de trophées, c'est impensable. Mais non, mais non, mais dis pas ça. Si tu vas faire un remake de l'année dernière contre le Real, il y a moyen. Odegaard au goal ou défenseur serait peut-être bon. Quoi? Hier, je regardais les anciens matchs de 2012 Arsenal pour me remonter le moral. Walcott, quel joueur. Tu sais que Walcott, c'était mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré, Walcott. Et c'est le seul joueur préféré que j'ai eu dans ma vie, c'est Walcott. J'ai jamais eu de joueur préféré à part lui. Et une fois que, bah, entre guillemets, c'était plus mon joueur préféré, parce que voilà quoi, et bah, j'ai décidé de ne plus jamais avoir de joueur préféré. Voilà. Je sais pas si
T'as lu mon long message sur ta vidéo débrief. J'ai mis mon avis sur ce qu'il faut faire avec l'équipe pour la prochaine saison. Non, j'ai même pas répondu aux commentaires encore, pour être totalement franc avec toi, mon frérot. Je comptais répondre aujourd'hui, ce soir ou demain dans la journée. Donc, j'ai pas. Non, j'ai pas vu. Je regarde en même temps là. Ah ouais, tu m'as mis un pavé, mon frère. Wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lignes, wesh! C'est une dissertation! Oh! Ça parle de quoi un peu ici? On parle de la première ligue. Tu as regardé PSG-Barça? Oui, bien sûr. On n'a plus le droit à l'erreur, aucun nom. Bah, ils sont largement prônables, mais bien sûr. Haute garde blessé ou pas du coup? Qui a des news? J'ai aucune news. Tu as vu PSG-Barça? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu le match aller, Mbappé invisible, voilà. Pour aller vite. On va tous perdre pour ensuite gagner. On va tout perdre, j'imagine. On se gagne 5-0 au dernier match de championnat comme chaque saison. On verra. Le Bayern, c'est quand même très solide. Non, c'est très solide, mais c'est faux, c'est possible. En tout cas, ça commence à faire beaucoup. Il met les trophées en bouteille. Pourquoi tu dis ça? Salut Néhémie, moi je voudrais bien voir mon club soulever la PL. Ça fait depuis 2004 que Arsenal n'a pas remporté PL. Moi qui ai né en 2004, je voudrais bien voir mon club remporter la PL devant mes yeux. Je comprends. Je comprends, je comprends, t'es pas le seul. Hein. François qui dit je m'accroche à un seul truc. À quoi tu t'accroches, François? T'as Roblox? Non, je ne joue pas Roblox. Mon gars, j'avais de l'inspiration. Tu vois ça? Et du temps à tuer. Ouais, tu m'as envoyé une disserte. Je vais faire une note, une notation sur 10. Y a quoi à dire? Que certains ne le voient pas comme une légende du club. Ouais, je sais pas trop pourquoi en vrai. Déjà Arsenal pour le 2-2. S'il y a 5-1, mercredi, il n'y aura pas 5-1. Donc la Suisse cet été, tu prends, oui, tous les jours. On ne se rend pas compte, mais l'absence de Timber et Tommy est fatale pour nous parce que sur le côté gauche, c'est vraiment notre point faible. Ouais. Côté gauche est très très faible. C'est quoi ton PayPal pour envoyer 100 euros? Bon allez, Ryan, s'il te plaît. Ryan. Pose la carte de maman. Hein? Tu vas jamais m'envoyer 100 balles. S'il te plaît, s'il te plaît. Peux faire des dons là déjà ici. T'en fais pas, donc je vais pas commencer à trembler en me disant il va envoyer 100 balles. On dit je peux faire psy du football là, tous les lundis. T'aurais eu plein de clients et t'aurais fait beaucoup de fric. Pour les fans de United. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les vidéos déjà des fans de Leverkusen me font mal au cœur. Ben pourquoi? Sois content pour eux. Moi, je suis content pour eux, force à eux. C'est pas des vidéos de Tottenham qui sont contents ou de. On s'en fout, c'est pas de problème. Faut arrêter de bâcher Arteta dès qu'on prend une défaite. Un autre entraîneur avec le même effectif serait certainement pas là. Moi, je ne bâche pas Arteta personnellement. J'ai cauchemardé, j'ai cru qu'on avait perdu. Non, Hicham! Tu n'as pas cauchemardé. J'attends la note, ça comptera pour mon bac. Je suis mort. Je vous conseille. Guitieri, je connais pas. Je connais pas. Sois-tu obligé de prendre un joueur de Tottenham, ça serait qui? Ah, si tu étais obligé de prendre un joueur de Tottenham. Vraiment, je suis obligé. Genre, je suis. Genre, on est là, on me met un gun sur la tempe. Tottenham. Tottenham. J'en prends un seul, hein. Tottenham. Qu'est-ce que je prends, moi? Tottenham. On va aller sur Transfermarkt. Genre là, on me dit, Randy, choisis un joueur. Vous prenez qui, vous? Sacrilège. En vrai, j'y crois encore pour le titre. C'est ton joueur préféré? J'ai pas de joueur préféré. Salut Lazaro. On peut dire maintenant que la saison est finie. Pas encore, pas encore. Au final, est-ce qu'on est différent du PSG? Pas pris au sérieux chaque année. Cette année, c'est notre année 0 LDC. Au final, au final. Au final. Sonne, sonne, sonne. Ah, tout le monde veut sonne, hein, bande de salauds. Ouais, je comprends. Sonne, Madison. C'est pas mal, ça, en vrai. Sonne, Madison. Ou Doggy. Oh, attention, ça aussi, j'aime bien. Doggy, j'aime bien. Enfin, bref, j'aime pas les joueurs de Tottenham. Ils sont nuls, tous. Allez. Raya ou Ramsdale? Ramsdale depuis toujours, depuis le début, je l'ai toujours dit. Le milieu sénégalais, j'ai oublié son nom. Ah, j'y étais, tant pis. Jamais de la vie, on prend un joueur de Tottenham. Plutôt crever, je préfère me jeter par la fenêtre, pour être très franc. Je me suis abonné. Merci, Jus. Qu'est-ce que j'ai raté comme message? Que j'étais en train de raconter ma vie. Le Bayern a un coup au moral avec Leverkusen qui a gagné la Bundes, donc c'est plus que possible. Peut-être que justement, ils vont se dire, on n'a plus rien à perdre, go à fond, tu vois. Ah. Ah, oui.
toujours dit que Raya est un gardien sans bras. Je vois. Faut une doublure à Saka, ouais, je suis d'accord. Jamais de la vie, on prend le joueur de Tottenham, ça j'ai vu. Vicario, il remplace Raya ou le milieu sénégalais, j'ai oublié son nom. Je l'ai plus là. Oh, j'y étais en plus, bon, tant pis. Il y a quelqu'un qui l'aura dans le chat. En vrai, il y a moyen que City se fasse accrocher par Fulham. Mais oui, bien sûr, Mehdi. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. À Fulham ou à Tottenham, ils peuvent perdre des points. Jesus ne doit plus jamais jouer en neuf. Bah non, Gabriel Jesus, il doit pas. On parle de la semaine, comment dire, du week-end de Première Ligue. Pour moi, Jesus ne doit pas jouer neuf. On le sait depuis un moment. Hein. Défaite de Chelsea pour me remonter le moral. Ils ont perdu? Je suis même pas au courant. Ils ont peut-être pas encore joué, je sais pas. C'est que j'ai rien suivi moi. Ah, c'est ce soir contre Everton. Bellet qui perd contre Everton. Oh là là, ce serait bon. Imane ou Bissouma. C'est dommage que Ramsdale ait flop tous ses matchs cette saison. Non mais Arouac, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. À chaque fois qu'il a joué, skin, il avait pas de rythme, il avait rien. Raya ou Vicario? Ramsdale. T'as recrue phare pour cet été si on devait prendre 15 joueurs au mercato. Tu vois, ça, un seul joueur, ça nous mettrait vraiment dans la merde. Mais moi, je prendrais un 9. J'en peux plus de toutes les chances qu'on crée et qu'on concrétise pas. Allez, l'OM. Allez, l'OM, comme tu dis. Zini, je jure que c'est un espion envoyé par Pep pour nous faire couler le match qu'il nous a fait hier. C'est pas possible. Le match d'hier de Zini est à montrer dans toutes les écoles. Vraiment horrible. Je suis dégoûté. CR7 ou Messi? Pitié. Pitié. Hé! Abonnez-vous sur Instagram, là! J'ai dit, je ne vais pas vous lâcher avec Instagram. Là, on y est presque. On est presque à 1K. Ça veut dire. On a combien là? 994. Condition, continue à flop. Dans 2 ans, ça casse les bas haute garde. Ils vont partir au Real. Non, 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 non. Déjà, on ne va pas continuer à flop. Je pense pas. Paris va éliminer le Barça, tu penses? Non, je pense pas. Je pense que le Barça va gagner, moi. Si on vient, il ne va pas tarder à mettre Saka sur le banc. Une star qui stat uniquement par les pénaltys. Qui stat par les pénaltys? Saka? Au revoir, comme dirait Thomas Müller. J'espère que tu as la ref. Non, je l'ai pas. Alors. T'es dégoûté. Je pense pas. En vrai, les gars, quand on réfléchit bien, quand tu prends les saisons d'Arsenal, là, on est en évolution. En vrai de vrai. En vrai de vrai, on est encore en train d'évoluer là. On est en train de s'améliorer par rapport à la saison d'avant, par rapport à la saison encore d'avant, par rapport à la saison encore d'avant. Donc, c'est pas mal. On va pas continuer à flop dans 2 ans max, il y aura un gros titre minimum qui va arriver. Mais bien sûr. Le problème, quand tu mets Jesus ou Havertz sur le banc, ils vont vouloir partir car ils vont avoir plus de temps de jeu. Mais c'est pas eux qui décident en fait. On sait où Vlahovic va l'année pro, il reste pas où là où il est? C'est le Guendouzi d'Arsenal. Les deux gars ils viennent d'un club rival du championnat. Ils sont déjà stressés pour demain et mercredi. Pourquoi pour demain? T'es pour le PSG, c'est ça? Salut Karim, doit-on à présent tout miser sur la LDC ou bien a-t-on encore nos chances en première ligue? On a encore nos chances. Faut continuer à. Faut jouer le match de mercredi comme si c'était le dernier, jouer le match contre Wolverhampton comme si c'était le dernier, etc. 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 Je veux des trophées. Mais ça va venir. Ça va venir, Paul. On est toujours dans une période de reconstruction. Bah, on est dans une phase très, 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 très avancée, tu vois. On pourrait. Je pense que dire reconstruction, c'est un peu abusif parce qu'on a. Tu vois, on est en train de s'améliorer. En même temps, on a dépensé. Ça fait quand même 2 saisons maintenant qu'on est très compétitif. Mais qu'il nous manque encore ce petit quelque chose. Donc j'ai envie de dire, on est dans les dernières étapes, si tu veux. Saka a moins de 10 pénalties dans toutes ses saisons de PL, mais comme ça veut réécrire l'histoire. Mais je crois bien aussi. Hein. Lautaro Martinez sera une très bonne. Il va pas partir. Que des finales jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Salut, c'est Koro. Mais malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Tu prends Ramos du PSG en prêt. Il va pas. Pourquoi tu le prendras en prêt? Il va pas bouger de là où il est, non? Ça fait mal de se dire que City. Merde, j'ai pas vu. Que City n'a ni battu Liverpool, ni battu Arsenal, mais ils vont quand même remporter la PL. Faut un 9, un ailier droit, un ou deux milieux, deux latéraux, un gardien. Ouais, à peu près, en gros. Randy AFC à Arsenal, tu valides? Bah écoute, il a un âge quand même assez avancé, hein, 26 ans cette année.
On sait pas trop ce qu'il a fait dans son dernier club. Après, c'est un petit jeune qui avait du potentiel dans, il y a quelques années maintenant, mais bon, on n'entend plus trop parler de lui. Je sais pas. Hein. En plus, un historique de blessure, pas trop dégueu quand même. Hein. On sait qu'il s'est fait une entorse plus jeune. J'ai fait quoi d'autre? Entorse au pouce. Il s'est fait quoi? Il a eu des problèmes au dos et là, il a des problèmes au genou. Donc, si c'est pas trop cher, ça va. Ça, quand on a bouffé le banc, il m'énerve lui aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Il faut une vraie concu à Bukayo, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu penses qu'on risque de perdre nos joueurs? Non, 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 non. Nos joueurs sont jeunes, ils savent que c'est un process qui va prendre un petit peu de temps. Y a pas de... Et ils sont en train de tous les bloquer, ils leur mettre des contrats. Non, 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 je pense pas. Il faut absolument un 9 efficace cet été et un 6 pour que Rice continue à jouer un peu plus haut. Je suis d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. Rice, je préfère aussi quand il est un peu plus haut. Au final, je me rends compte. Quand là je l'ai revu en 6 et tout, je préfère. Je suis vraiment découragé pour le match d'Arsenal. Mais non, il faut y croire, les gars. Il faut y croire. Moi, j'ai encore de l'espoir pour Paris. Est-ce que je suis le seul? Non, je pense pas. Paris peut gagner. Hein. En plus, c'est pas au Camp Nou. Hein. C'est à Montjuïc. Il y a moyen. Hein. Salut Mariam, qui dit je m'abonne. J'espère que tu t'abonnes parce que tu aimes le contenu autour du football et autour d'Arsenal. Si tu t'abonnes pour rien, t'abonnes pas. On n'a pas débloqué fonds d'argent en se qualifiant. Si, on a pas mal de sous. Hein. Mais Arsenal, c'est une équipe qui a de l'argent. Hein. Y a pas de... Même si il y a eu des fêtes, d'ailleurs, excellent débrief. Merci, mon frère. Dans 2 jours, c'est le gros match. Comment tu le sens? Ah, comment je sens le gros match? Bah, demain, déjà, il y aura une vidéo avant-match. Demain, vers 18h. Je n'ai même pas tourné encore. Et donc tu sauras dedans comment je me sens, comment je sens le match. C'est le mec qui veut vraiment faire de la pub pour lui-même, alors que dans tous les cas, Awax, je sais qu'il va regarder quand même. Non, en vrai, je me sens bien. Je me sens bien. Pour moi, c'est possible. C'est possible à condition que les Gunners continuent à jouer leur jeu et tombent pas dans le délire de on a perdu, c'est bon, on est nul maintenant, on va aller au Bayern comme ça en baissant la tête et se prendre une rouste, tu vois. Gyökeres, Nico Williams, Kimmich, on sera très très bien, je valide, c'est pas mal. Zinchenko, trop contradictoire parfois, il est bon, mais des fois il est pas rassurant, il fait des dingueries, mais il nous dit, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien le problème. Je dois devenir fan du Real en parallèle d'Arsenal pour équilibrer le taux de bonheur et de malheur. Ouais, mais tu peux pas changer d'équipe comme ça. Ou alors c'est que t'étais pas vraiment fan. L'entorse au pouce, c'est chiant car Andy ne pourra pas remplacer la Fodraya. Mais après, je coûte pas cher moi. Tu préfères remporter l'APL, mais tu perds 20-0 contre Tottenham. Ou gagner la FA Cup, mais tu perds le championnat contre City. Ouais, frérot. Quelle question. Oui, je m'abonne parce que j'aime les contenus, wesh. Ah, ok. Mais crie pas aussi. Pourquoi tu cries dans le chat? Crie pas, wesh. Qui crie ici? T'es là, tu cries. Arrête de crier. 20-0, autant me mettre une balle dans les deux, entre les deux yeux. 20-0, c'est sûr. Mais tu gagnes l'APL. Je pense qu'Arsenal peut battre le Bayern, moi j'y crois. Mais oui, mais bien sûr qu'on peut, les gars. On joue avec le maillot vert. On joue avec le maillot vert, c'est vrai. Ah, c'est loose. FF, c'est perdu. Je pense qu'on peut le faire. Pour ce qui est du PSG, en vrai, ils sont capables du meilleur. Et je viens de lire ce que dit Enrique en conférence de presse. J'ai pas vu ce qu'il a dit en conférence de presse. J'avoue, j'ai pas regardé sa conférence de presse. En soi, contre le Bayern, on fait un match pas mauvais. Mais oui, c'est pour ça que je te dis qu'on peut le faire. Hein, mais il y a des erreurs débiles, ouais. On n'a pas concrétisé une ou deux occasions. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Randy, si tu jouais, tu jouerais quelle position? Moi, je suis milieu de terrain. Je suis milieu un peu à la Georgie. Mais avec plus de coffre, tu vois. Genre, je te pense sur un petit terrain, sur un 90, sur un long terrain, je veux dire, pendant 90 minutes, évidemment que j'ai moins de coffre que Jorginho. Mais sur un petit terrain, je suis un mec devant la défense, parce que j'ai une bonne défense, mais je ne suis pas défenseur, et j'ai une bonne qualité de passe. Donc moi, je suis plutôt un Jorginho, on va dire. Randy à lunettes, ça donne quoi? Comment ça? Je n'ai pas compris. Notre banc est vraiment horrible. Je le savais, mais hier, je me suis bien encore rendu compte avec l'entrée de Eddie et Smith Rowe. On n'a pas assez de bancs, ça, c'est pas une surprise, hein, malheureusement. Imagine Raya se blesse et Ramsdale nous offre le doublé PL LDC pour sa dernière. Franchement, j'achète un maillot gardien et je le floque Ramsdale. Et vous savez que je ne floque jamais mes maillots. Coman et Niabri sont forfaits. Donc Coman et. Ouais, Niabri aussi. Davis est suspendu aussi, je crois. On est contraint de battre le Bayern, on est meilleur que c'est. Oh! Tu veux me faire lire des dingueries là? Oh. Non, mais on peut gagner, on peut large gagner.
On veut devoir jouer. Là, je suis trop rincé. Hein. La dernière fois que j'ai joué au foot, c'était, je sais même pas il y a combien d'années. On a notre remplaçant pour Rice. Oh là, oh là. On a besoin d'un goalkeeper ou d'un DG pour remplacer Zinho. On a besoin. Moi, je pense qu'on a besoin de recruter sur toutes les lignes. Je pense. Mbappé ne va pas au Real. Je suis pour vendre Martinelli au Qatar FC et on mise tout sur Mbappé. Mais si tu peux avoir Mbappé, tu prends Mbappé tous les jours de l'année. Hein. Moi, je suis désolé, il y en a plein qui veulent pas et tout, mais vous êtes des oufs. Tu peux avoir Mbappé, frère. Tous les jours de l'année, tous les jours de l'année, je signe Kylian Mbappé. Hein. Tu veux pas nous prêter Donnarumma? Donnarumma, si t'as regardé son match contre le Barça, bon. Si tu t'es mis avec du coffre, signe à la place de Partey, vous êtes des oufs. Chacun qui se barre devant un champion qui est Leverkusen. Ouais. City peut. Ah, j'ai pas vu ça. City peut se faire prendre par Fulham Tottenham, mais bien sûr, c'est possible. Une équipe qui n'est pas finie, on a un banc éclaté au sol. Dit précisément, le PSG n'a jamais réussi à retourner une situation. Demain, on va le faire. On va voir, hein. Franchement, on va voir. On échange de deux gardes, oui, bon. Franchement, le match de comment il s'appelle, Donnarumma, c'était pas la folie, hein. C'était pas la. Comment on a que troisième? C'est ça, vous. Déjà, je vous demande de me follow sur Instagram. Ça me follow pas sur Instagram. Ah, oh, si, j'ai gagné un follower. Merci à la personne qui s'est abonnée. Arteta, stop, ou encore, moi perso, je crois encore en lui. Non, mais les gars. Parlons sérieusement. Parlons sérieusement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlons sérieusement, s'il vous plaît. Pitié. Est-ce que vous vous souvenez d'Arsenal avant Arteta? Je pense que oui. Karim, je pense que oui. T'es un ancien. Quand tu regardes Arsenal avant et après, déjà, il n'y a pas photo. Ensuite, il y en a qui utilisent l'argument de « Ouais, mais ça fait 5 ans maintenant !» blabli blablu. Prenons les 5 ans. Tu regardes les 5 ans. De la première année à l'année qui a suivi, à l'année qui a suivi, à l'année qui a suivi, à l'année qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça? Une fois que tu as réfléchi comme ça, tu sais si tu dois le virer ou non. Si cette année on fait moins bien que la saison dernière, là je commence à dire, les gars, faut réfléchir. Faut réfléchir. Je dis faut réfléchir. Mais là on fait une meilleure saison que la saison dernière. Donc on n'a toujours pas de titre. Je suis d'accord avec vous, on n'a toujours pas de titre majeur, c'est vrai. Mais quand tu regardes le tableau, on fait une meilleure saison que la saison dernière. On arrive à être compétitif à nouveau dans la course au titre à nouveau, tout en étant compétitif en Ligue des Champions. On est en quart de Ligue des Champions. Potentiellement même en demi. Salut Gasp. On va pas le virer, le bougre. Imagine une défense. Oh là, vous vous êtes énervé là. Salut Nixie. En performance, c'est up. Exactement. Salut Randy, comment tu vas? T'en penses quoi du match de LSC qui nous attend, confiant? Oui. Je suis confiant. J'ai confiance en mon équipe. Si ils jouent correctement, ils gagnent le match. Comme le match aller. Si on joue correctement, on le gagne. Malheureusement. Il prend les initiatives, j'aime beaucoup ça, même si parfois c'est trop pour un match à enjeu. Malheureusement, Tristan, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est. Il apprend. Il apprend aussi. Il apprend aussi à gérer tout ça. Pour moi, il fait. Pour moi, Arteta, il fait pas un bon match hier. Pour moi, la compo de départ n'est pas bonne. Pour moi. Il y en a qui disent que la compo est bien. Moi, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Salut, le Black Grana, comment tu vas, mon frérot? Courage. Non, mais moi, ça va. Il y a des gens qui m'envoyaient des messages. Courage et tout, mais ça va. Les gars, c'est que du foot, hein. Je pense que les gens, parce qu'ils m'ont vu énervé dans le live et tout, ça, c'est. Je suis émotionnellement engagé pendant 90 minutes. Une fois que ça siffle la fin du match. Je suis heureux. Là, ça fait 2 ans, Arsenal revient de haut niveau. On ne peut pas leur obliger d'avoir un titre. Mais évidemment, c'est en train de revenir. Zinho nous a mis dans la sauce. Ah, une sauce épicée, là, mama. Est-ce qu'il peut garder une gêne physique? Oui. J'ai commencé à tirer sur ça et on m'a dit non, non, tire pas. Parce que j'ai dit, mais pourquoi on l'a sorti et tout? On m'a dit, non, non, ne tire pas sur lui. Il avait une gêne, il était peut-être blessé et tout. Je dis ok, calmez-vous. Salut Yaya le boss. Comment tu vas Yaya le boss? On nous donne les 4. Je préfère qu'Arsenal perde 5-1 à Munich mais gagne la PL ou l'inverse. Moi je veux la PL. Envoyez-moi la PL. Ça va être un bref.
Je veux la PL, envoie-moi la PL, frère. Oh, la PL. Belle que la Zinèche, Montréal et No. Les défaites 5-1 contre Liverpool à Anfield en 2019, les buts qu'on prenait et chaque saison, on ne progressait pas. Pire, on régressait. Mais là, on est en train de progresser. Et les gens veulent virer Arteta. Mais non, on ne peut pas faire ça, les gars. En vrai, les défaites d'Arsenal affectent plus parce qu'on est habitué, mais celle-là affecte plus parce qu'on est habitué, mais celle-là, elle a piqué. En fait, le problème de cette défaite-là, c'est son timing. T'es là, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes depuis le début de l'année. Le plus mauvais résultat que tu fais, c'est match nul. Et la première défaite, c'est au timing où tu dois pas faire une défaite. C'est ça qui a fait mal. LDC, c'est plus prestigieux. Les PL, on en a déjà. Ouais, je comprends, mais avec la difficulté de la PL de cette année, j'avoue que mon cœur penche vers la PL un petit peu. C'est juste que je croyais toujours en lui. Je faisais allusion aux aînés. Non, mais je sais que toi, tu crois toujours en lui quand même. Moi, je l'adore, c'est un vrai amoureux du club, un passionné, j'adore ce genre de coach. Non, mais je sais. Toi, j'ai aucun doute là-dessus. En vrai, on s'est trop mis la pression hier. On a l'air d'être moins serein. Et la possibilité de prendre le large. Est-ce que les joueurs, ils ne se sont pas un peu fait caca dessus, tu vois? Toi, c'est quoi le 11 que tu veux à Munich pour se qualifier? Il faudra attendre ma vidéo avant-match qui sortira demain à 18h sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous sur Instagram. Une minute de silence pour tous ceux qui croyaient Jésus serait le nouveau Henri. On était beaucoup, hein, presque tous même. Hein. Quand il est arrivé, il était très bon. Hein. Si on gagne la LDC et qu'on finit 3e en PL, comment qualifier la saison? Bah, à partir du moment où tu gagnes la LDC, ta saison est réussie, même si tu finis 15e. Tu gagnes la LDC, tu sauves ta saison. Même pas tu sauves ta saison, c'est une bonne saison. Tu as gagné la LDC, frère. Tu sais, c'est quoi la LDC? Il y a besoin de stabilité dans un club, il faut garder Arteta, il n'y a pas à sortir de Arteta out, mais vraiment, 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 ne faites pas ça, pitié. Tu prends Navas au goal. En vrai, j'aime bien Navas, moi. Je trouve qu'il est bon, moi. Gabriel, pas bon de plusieurs matchs, malheureusement. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Gasp. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il fait une erreur contre le Bayern. Erreur causée par Raya d'abord. Et il fait une erreur là, sur la relance causée par Zinchenko d'abord. On peut pas d'un seul coup dire Gabriel il est pas bon depuis. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Zini Sané, ouais, on aura Zini Sané. Je sais pas s'il va prendre, s'il va mettre Tommy ou pas. Avers a fait une mauvaise seconde période, oui. Mais qui n'a pas fait une mauvaise saison seconde période? Ouais, si on fait saison blanche, c'est une saison ratée pour moi. Bah, c'est une saison ratée dans le sens où on n'a pas de titre. Donc sur ça, effectivement, en termes de titre, c'est raté. Mais en termes d'évolution du club et le club qui va dans la bonne direction, c'est pas raté. Si, pour toi, c'est raté. Et si Guardiola décide de venir à Arsenal? Non, 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 on n'a pas besoin de lui, nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec lui? On a Arteta, nous. Contre le Bayern et contre Aston, c'est tout, d'accord. Mais c'est inquiétant de le voir faire deux mauvais. Oui, c'est inquiétant. Là, je peux rien te dire. C'est inquiétant de voir Gabriel qui panique dans deux situations comme ça, match coup sur coup, tu vois. Là, je suis d'accord avec toi. C'est très inquiétant même. Zini rend Gabriel nul. C'est de sa faute, pas de Gabriel. Malheureusement, sur les deux situations où Gabriel fait des erreurs, c'est les collègues autour qui sont pas bons. Je vais pas lire ton message, Karim. Saison blanche et Arsenal, une grande histoire d'amour. Faut être un terroriste pour dire Guardiola Arsenal. Ouais, vraiment, on n'en veut pas. Même l'année prochaine, il faudra mettre plus de sérieux dans la FA Cup. Ouais, vraiment, il va falloir qu'on cet été, on gère bien le mercato pour pouvoir être compétitif également sur la FA Cup, la Carabao Cup. Moi, je ne veux pas qu'on fasse l'impasse sur des compétitions. Une coupe reste une coupe, tu vois. Tu gagnes le Community Shield, il faut gagner la Carabao, il faut gagner la FA Cup, faut tout gagner, frère. Comme l'année prochaine, ça j'ai vu. Imagine, hier, on a eu le même ressenti que les fans de United, Luton et Burnley ressentent tous les week-ends. Après, nous, on le ressent aussi depuis des années. Hein. Les fans d'Arsenal, vous prenez Navas. Bah, le Navas d'avant, moi, j'aime bien. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il vaut. Tu veux donner ça à Arsenal? Bah, non, non, je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Je veux pas. Le petit Florian, là. J'en veux pas.
J'en veux pas, j'en veux pas. Je trouve qu'il est nul. Évidemment que je veux. Qui ne veut pas? Qui n'en veut pas de lui? C'est comme si je te dis, tu veux, frère. Qui n'en veut pas? Mais il va pas. Je sais pas s'il va bouger. Je crois pas qu'il bouge, hein. Ça m'étonnerait. Ketia number 14. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un problème. C'est une saison ratée. Deux bonnes saisons. Zéro trophée. Oh, le Community Shield. Ouais, je sais pas. Je peux comprendre le sentiment. Un truc qui est sûr avec Arteta, c'est qu'on est éclaté en coupe. Ouais, ça, c'est chiant, par contre. Désolé, il faut recruter un tueur devant et pas n'importe lequel au mercato. T'as pas besoin d'être désolé, Nixie. T'as vraiment pas besoin d'être désolé, frère. On a fait la guerre avec les fans de Liverpool au lieu de s'associer pour arrêter. On devait s'associer. On a rien compris, nous. On n'a rien compris. Arsenal sont intéressés par Ivan Toney. Je sais pas. Je crois qu'il vaut 30 ou 40. Mais je crois qu'Arsenal est plus intéressé par Gyökeres. Et j'ai vu Sesko ce matin. J'ai vu Gyökeres, Sesko, Isak ce matin. Tu fais partir qui cet été? J'en parlerai dans ma vidéo. Le mec trop chiant. Franchement, je fais partir Ramsdale. Évidemment, il va partir. Donc voilà, Ramsdale, Nketiah, ça dégage. ESR, je sais pas. ESR, je sais pas. Moi, j'aurais fait partir un Partey, mais apparemment, il veut rester une saison plus. Nelson, ça dégage. Ouais, au moins ça. Hein. Tierney aussi, ça dégage. Cédric, ça dégage. Elneny, ça dégage. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, Zirkzee aussi, ouais, effectivement, Thomas. Ça parle de Zirkzee. Moi, je suis intéressé aussi par cette piste-là. Comme si je ne veux pas Cristiano Ronaldo Prime. Je veux pas Cristiano Ronaldo Prime à Arsenal. Alors. Ramsdale Bébou. Salut ML, comment tu vas? Ramsdale, ça dégage, les gars, je suis désolé. Hein. Le man, il va partir, il va pas rester là. Hein. C'est fou, le seum, c'est que je trouve City un cran en dessous. Oui, bien sûr, c'est vrai. Attends, t'as dit quoi, Tristan? Avis de pur footix hier. Trop de ballons longs pour moi aussi, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Prenez une avis d'une marque contre nous. Anani, j'ai envie de les garder juste pour encadrer. Non, mais c'est bon. Ça va. Ça va, ça va. On l'aime tous. Mohamed Elneny, on l'aime tous. Il est gentil, il est là, il est souriant. D'accord, mais bon, c'est bon. On est un club de football. Hein. C'est pas une colonie de vacances ici. On n'a pas besoin d'encadrant. Sinon, qu'il aille passer son BAFA et qu'il aille travailler en colonie, frère. C'est bon. À un moment donné, hein, c'est bon. On aurait dû prendre Watkins, on aurait dû prendre beaucoup de monde. C'est pas grave, c'est tout. Il a fallu que ça se passe comme ça et on va rectifier cet été. Ramsdale, Jesus, Zini, Nelson, Elneny, Cédric, ESR, ça dégage, il nous faut de la thune. Jesus, Zini, ça dégage pour toi? Jesus, je garde, moi. Si on craque trop pour un buteur, on n'aura plus grand-chose ailleurs. Un gros milieu, on a également besoin. Partez, la confiance est finie. Bah pour moi, c'est ce que je répète hein, depuis un moment déjà, c'est que je vois mal Arsenal, même avec les ventes, faire 150 millions ou 100 millions sur un attaquant, tout en achetant un ailier, tout en achetant un milieu, parce que Jorginho Partey, ça se fait vieux, tout en achetant un défenseur qui peut jouer ou DC pour remplacer Saliba ou latéral, parce que nos latéraux se blessent tout le temps, tout en achetant un gardien numéro 2. Tu peux pas tout faire, c'est impossible, il n'y a que Chelsea qui peut tout faire. Vous allez voir, Arteta va prendre que trois recrues et ça va rien changer au problème de profondeur de banc. On va voir. Hein. J'espère pas. J'espère que tu te trompes. Et j'espère que toi, quand tu dis un truc comme ça, Paul, dans le fond, tu espères te tromper. Bailey est bien pour conclure, c'est ça. J'aime bien Bailey, il est fort. Hein. Partez Zinchenko en Arabie Saoudite. C'est une bonne question, il me saoule aussi, mais il a quelque chose vraiment. Mais voilà. Moi, je le garde, mais je le mets dans la rotation en tant qu'ailier maintenant. C'est fini. Tu n'es plus titulaire chez nous. Tu n'as pas le niveau. Tu deviens ailier et tu es dans la rotation. Tu ne joueras pas tous les matchs de la saison. De toute manière, tu ne peux pas, ton corps ne tient pas. Dans tous les cas. Les fans d'Arsenal en échange Xavi Simons aux deux gardes. Non, merci. Ni c'est plus possible, faut qu'il aille sur le front. Oh, arrêtez de dire ça! Arteta a voulu faire des ballons longs dans le dos de la défense, comme lors de chaque ancienne défaite contre City, sûrement des raisons, mais voilà. Je pense surtout que la compo de départ n'était pas bonne, que dans la construction on n'était pas bon, on a manqué de réalisme, que techniquement on a manqué de justesse sur plein de trucs simples, des passes mal dosées, mais pas assez précises. Je pense qu'il y a tout, un tout. Il y a un tout.
On doit recruter Florentino Pérez. Je sais faire le taf, bah, évidemment. C'est de nouveau bon joueur, il faut de la thune. Et Jesus avec un 9 et un nouvel ailier, il sert plus à rien. Boniface, tu prends Boniface, j'entends beaucoup de bien de lui, donc je le regarde pas tout le week-end malheureusement, donc je peux pas te dire. J'espère me tromper, mais malheureusement j'ai toujours raison à la fin. D'accord. Franck Grimaldo ou Di Marco. Hello l'équipe. Salut Mike, comment il va? Gueule de bois. Non, Grimaldo, Di Marco, je suis pas assez. Je suis pas assez. Je suis pas assez calé, je vais pas faire semblant. On veut bien Chamé Simmons et on vous donne notre chien Win. On veut bien Chamé Simmons, on vous donne ESR si vous voulez. Salut Enzo. Je m'abonne à toi. Salut Margot. Si tu t'abonnes à moi, c'est que tu aimes le football ou Arsenal. Sinon, ne t'abonne pas, s'il te plaît. Je reviens toujours pas. On revient toujours à lui, mais Kimmich, excellent milieu. Il assume très bien le poste latéral. Kimmich, moi j'aime bien. Prenez Giroud. Le retour de Olive. Olive, j'ai toujours aimé Olive, moi. Dur, dur. Ouais, c'était dur. Je pense pas que ce genre d'événement risque de donner envie à Odegaard et ça dépend des partir. Non, 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 je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Franchement, ils sont là pour le club, ils sont là pour le process, ils savent que c'est long, c'est des jeunes joueurs. Non, je les vois pas. On va pas se faire dépouiller, vous en faites pas, paniquez pas. Ça me fait trop rire, Sonchenko, il doit faire deux passes décisives magnifiques sur l'inverse. Ouais. Mais comme il craque notre caille, on garde que ça, c'est dommage. Malheureusement, on crée beaucoup de situations. Trossard, il doit la mettre aussi, par exemple. On crée beaucoup de situations où on la met pas au fond. Et après, derrière, on se plaint. Mais ouais, mais si tu mets pas tes occasions, frérot, comment tu vas gagner? Kimmich, ça fait un bien fou à l'équipe, je pense. Je pense aussi. Je suis pour Paris, mais en PL, dans cette course au titre, j'aimerais bien voir Arsenal remporter. Ils peuvent le faire. On peut toujours le faire tant que mathématiquement, ce n'est pas terminé. Juste n'a plus marqué depuis 4 mois. Ouais, c'est vrai. C'est bien vrai. Et c'est décevant. Et moi, je suis très, 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 très déçu. Je pense que c'est. On m'a demandé hier ou avant-hier. Hier, je crois. Je sais plus. On m'a demandé le joueur qui m'avait le plus déçu sur la saison. Et j'ai bien réfléchi. Et c'est vraiment Gabriel Jesus. Parce que j'avais des espoirs de malade mental sur lui. Retour d'Oba ou Lacazette. J'ai du mal à m'en remettre. Mais non, Mike, ça va aller, frérot. Ça va aller. Jesus a mis avec le ballon, mais pas la cage. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, on est d'accord. Mais ouais, malheureusement, on a manqué de réalisme, comme contre le Bayern, comme contre City, comme contre. C'est toujours le même problème. Et quand on mettait 1 million de buts au début de l'année, j'ai commencé à dire, les gars, j'ai posé la question, parce que moi, je suis un petit filou. J'ai posé la question, est-ce qu'on doit toujours acheter un neuf? Et t'en as qui disent, selon moi, non, on marque, donc pas besoin et tout, mais. Il y a quand même des matchs où tu ne trouves pas la solution collectivement et tu as besoin que ce soit un mec qui dise écoute-moi bien Arsenal, viens sur mon dos, c'est bon. Je m'en occupe. Edgar Rice, Saka, Trossard, White, les seuls joueurs qui resteront très longtemps pour moi. Oh, je sais pas, hein, je pense pas. Hein, je pense que d'autres aussi. Hein. J'ai vu le débrief de Stan, il a pété un câble sur Zinchenko. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je peux comprendre. Zlatan Prime, tu prends. Moi, je veux Thierry Henry Prime, moi. Edu's Revolution au Mercato. En vrai, il fait le taf, hein, Edu, hein, depuis toujours, il fait toujours le boulot. Hein. Jusqu'à but de cette saison, pitié, même Gabriel Mag a plus de buts que lui, pitié. Ouais, non, c'est compliqué, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Moi, ceux qui ont vu mon débrief, vous le savez, les gars. Vous savez ce que j'ai pensé de la gestion de la composition par Mikel Arteta. Pour moi, il n'y a que des incohérences. Salut Lokai! Comment il va, mon Lokai? Salut Achille aussi. Ça va, Achille? Retour de Martinez, tu prends? Non, non, non. J'aime pas ce mec. Pour toi, le championnat est dead. Bah non, l'objectif pour nous reste le même, tout gagner. Et espérer maintenant que eux fassent une erreur. Jean Martinez, c'est quand même un monstre, même si on l'aime pas. Oui, non, mais c'est un bon joueur. Juste, je l'aime pas, je veux pas le voir dans mon club. Je veux plus le voir dans mon club. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Je suis en rage. White et ses UV, vraiment une satisfaction alors qu'il continue de se Ça me rappelle l'interview de Pirès sur la saison des Invincibles. Il lui disait que parfois, dans la galère, Henry était capable de prendre le match à son compte et débloquer le match à lui tout seul. Exactement. Et je l'ai vu cette interview en plus. Et il n'avait pas honte de le dire. Hein. Et il n'avait pas honte de dire aussi qu'on était dans une situation où chacun connaissait sa place, chacun connaissait son rôle. Donc, il n'y avait pas des mecs qui tentaient de faire le héros. Il n'y avait pas des mecs qui tentaient je sais pas quoi. Tu étais là sur le terrain. Tu savais que j'ai le ballon, je le donne à Thierry. Thierry, il va marquer. Je savais que moi je devais faire ça, lui devait faire ça. Lui, il n'y avait pas de syndrome du héros, il n'y avait pas de je sais pas quoi. C'était clair, net, précis. Et t'avais ce mec devant qui avait des grosses épaules qui portait l'équipe. C'est ça. Et nous, on n'a pas ça.
Ça va, ça va. Bon, il a réagi au match d'hier ou pas? J'ai pas vu en tout cas. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Odegaard ou Saka? J'ai pas de préférence. J'ai aucune préférence pour aucun joueur d'Arsenal dans les deux effectifs. Aucun. Ma préférence, c'est le club. Avec les prestations de Saka, Guardiola a tiré le banc pendant 3 matchs. Ah, Guardiola, pardon. Mais ça lui ferait du bien. Hein. Moi, j'arrête pas de le répéter que Saka, ça lui ferait du bien d'être un petit peu sur le banc. Hein. Salut Loïc. Les anciens d'Arsenal, ils font que performer en Ligue 1 avec Sanchez, Oba, Lacazette. C'est vrai qu'ils s'en sortent pas mal là. Ouais, si, Sanchez en vrai, c'était pas mal aussi. Il parlait de Vieira aussi. Il a parlé de Vieira aussi, ouais. Deux monstres capables de gérer les grands matchs, mais peu de joueurs sont capables de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était une autre époque aussi. Hein. C'est une autre époque. Il a parlé de Vieira aussi, effectivement. Ce que tu dis, c'est exactement ce dont on a besoin. Malheureusement. Malheureusement, est-ce qu'on va l'avoir? Je sais pas. C'est compliqué. Un Henri, il n'y en aura pas deux. Bah évidemment, il n'y en aura jamais deux. Mais pas parce que t'as pas un Henri que tu peux pas avoir un je sais pas qui, autre joueur. J'ai pas capté le changement Odegaard ESR. Apparemment, il était blessé, Odegaard. Moi, Saka, les gars, je vous le dis. Je vous le dis avant de répondre pour le prono du Bayern. Moi, je vous le dis. Saka, je le répète. La dernière fois, j'ai dit ça, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi dans le chat. Ils disaient non, ça ne s'applique pas forcément à tous les joueurs et tout. C'est vrai. Mais moi, je le répète, Bukayo Saka, le jour où tu vas lui mettre dans son dos un ailier droit qui a les crocs et que quand il va faire une mauvaise performance, 60e sur le banc, vous allez voir Bukayo comment il va devenir. Vous allez voir le monstre qui sommeille en lui. Vous allez voir. Je suis prêt à le jurer. Mettez-lui une concu qui le fait aller cirer le banc, vous allez voir. Ton prono pour le Bayern. Pour le Bayern, c'est dur là-bas. Franchement, c'est dur là-bas. Faucon. Match nul, ça se règle au pénalty ou en prolongue au pénalty. Match nul. Tu prends Mitoma. Mitoma, il se blesse, non? C'est pas un joueur qui se blesse, lui? Isaac aussi, c'est un joueur qui se blesse. Les gars, moi, vos joueurs qui se blessent, là, moi, j'en veux pas. Hein. J'en veux pas, j'en veux pas. Hein. S'ils se blessent trop, j'en veux pas, j'en veux pas. Olise, il revient pas de blessure aussi? Après, quel joueur ne revient pas de blessure? Ils jouent trop, les joueurs. Olise, Transfermarkt, injury. On va regarder tout de suite. Olise. Oh, ça va, Olise! 2020, 2021, il rate 2 jours. 2021-2022, il rate 12 jours. Ah ouais, 2022-2023, il rate 135 jours. 13 matchs pour une blessure. Hamstring, c'est quoi déjà? Quelqu'un peut me. Tendon. Blessure au tendon. Et là, en février, il est reparti pendant 72 jours pour la même blessure. Ah, les gars, moi, les joueurs qui se blessent tout le temps, moi, je vous cache pas. Ça me fait peur. Hein. Franchement. Pense quoi du match contre Villa? Bernard, si tu es nouveau, je t'invite à aller sur la chaîne. Il y a un débrief, évidemment, sur lequel j'explique ce que je pense du match. Mais globalement, déçu de la compo, déçu de nos joueurs, déçu comme tout le monde. Team Infirmerie, Neto, Olise, exactement. Mitoma, par contre, je ne sais pas. Parce que Mitoma. Est-ce que Mitoma se blesse beaucoup? Après, Mitoma, c'est un peu retombé comme un gâteau. Hein. On en a beaucoup parlé et puis pouf, on n'en a plus parlé. Hein. Voilà, il est blessé en ce moment, je crois. Non, en vrai, il se blesse pas tant que ça. Ça va. Ça va, ça va. Adingra, Rastafariz, tu sais me parler. Tu sais me parler, toi, Adingra, moi j'aime bien. Adingra, coup du marteau. Hein. Mitoma joue pas à droite déjà. Oui, mais bon, après, on s'en fout, tu connais. Chez nous, T'es ivoirien? Pas du tout. Vraiment pas. Je suis pas ivoirien du tout, non. Alors attendez, je remonte parce que j'ai raté plein de messages. Je vois des gens qui s'embrouillent là. Trop tendre, Olise. Ah, tu trouves? Achète Dembélé. Nico Williams. Le vlog à Munich est toujours d'actualité. Bah non. Non, 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 j'ai pas eu de place.
Qui pourrait être cette concu? En soi, t'en as un, Nico Williams, par exemple. Salut Randy, ça va depuis la défaite? Moi, ça m'a brisé le moral. Ah, j'avais pas vu ce message. Et bon, la vie continue contre le Bayern. Je vois l'équipe bien jouer, mais perdre 1-0, franchement, j'y crois pas. Mais non, mais non. Mickaël, on va gagner, Mickaël. Il faut y croire, Mickaël. Non, il est congolais. Ah ouais, ça répond pour moi. Vous êtes vraiment méga. Qui se souvient d'un match que Saka nous a fait gagner? Ah ouais, Paul, t'es sérieux? Ah ouais, pour toi, Saka, il fait quoi dans le club depuis tout ce temps? Ah bah avec Paul, il nous carie depuis 2021, peut-être t'avais pas de connexion pendant 3 ans. Vas-y, ça t'écoute à fond dans le train. Salut à tous les gens autour de lui, de Rasta. On est ensemble. Abonnez-vous sur Instagram. Bientôt 1K sur Instagram. Randy underscore AFC. Je compte sur vous. Underscore tiré du 8. Il nous manque 5 abonnés. On a 1K sur Instagram. Il joue à gauche ou à droite, Saka? Il joue à droite. Goulam, si tu penses, s'il y a moyen de l'acheter. Ah! Je sais pas. T'as pété, je t'ai entendu. Mais non, c'est ça. La police des paix, wesh. On peut faire ce qu'on veut chez nous. Je suis chez moi, là. Je suis chez moi. Je peux péter chez moi, normalement. Il n'y a pas de galère. Hein. Je rêve. Je sais, j'ai envie d'y croire, mais à chaque fois, on se mange un coup émotionnel, comme si notre meuf nous avait quittés. C'est incroyable d'être supporter d'Arsenal. Ah là 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 là. Tu es pour Paris ou Barça? Oh là, aucun des deux, je suis pour Arsenal. Le gars Munich est toujours d'actualité. Non, Achille, j'ai pas eu de place pour Munich. Si j'avais eu une place, j'aurais vlog ça en légende. J'ai pas eu de place. J'ai pas eu de place. Donc, j'allais pas me ramener à Munich comme ça, sans place, non, impossible. Impossible, impossible. T'es drôle. Bah écoute, on essaye de faire des trucs, hein. On tente. On tente, moi je te cache pas, j'essaye pas d'être drôle. En fait, moi j'ai un problème, les gars, c'est que je me trouve drôle. Ça, c'est mon problème. Comme je me trouve drôle, bah vas-y, je continue mes conneries. Voilà. Désolé. T'as ça, Frimpong à droite, il va pas venir. Il va aller au Real? Non, il va pas aller au Real. Il va aller où, lui? Il va aller au Bayern, lui? Non, il va aller où? C'est sûr qu'il va pas venir, Frimpong. Mais moi, je rêve d'un Frimpong, hein. Jérémy, si tu m'entends, pitié, viens avec nous. Encore une fois, il a un moment. Après, il y avait. Je sais plus comment il s'appelle. Encore une fois, il a moins de 10 pénalties en PL, donc c'est sans. C'est pas qu'il y a des pénalties. Non, mais battez-vous, moi, je me bats plus, moi. Là, j'étais en mode no life après le match, j'ai pas dîné. Non, mais tu vois, les gars, il faut pas aller. Bon, déjà, premièrement, je vais changer d'ustensile, parce que je sens que ça vous trigger le bruit, là. J'ai besoin d'avoir des trucs dans les mains. Il faut pas que ça vous rende dans cet état. Ça peut pas vous rendre dans cet état. Mange le soir, mange. Mange, va voir ta femme, tes enfants, si t'en as, tes frères et sœurs, si t'es chez papa-maman, va voir papa-maman, regarde un petit movie, sors, va voir tes amis. Ça doit pas vous rendre dans cet état, les gars. Je croyais jamais qu'on allait perdre contre Aston Villa, moi non plus. Moi, si tu sais que tu veux être champion, sois prudent dans le jeu. Ouais. Il y a eu plusieurs fois où on est parti à l'abordage, je suis totalement d'accord avec toi. À base de se trouver drôle soi-même. Ah, let's go, let's go, je suis pas tout seul. Le BTC Arsenal et le Bayern, je leur pardonne tout. Si on va en demi, c'est une belle campagne. Hein. Kubo, il est à la Real Sociedad, non? Il est où, Kubo? Kubo. Je crois qu'il est à la Real Sociedad, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Kubo, ça dit quoi? Parce qu'à un moment, ça parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Kubo. Il a quel âge? 22 ans, c'est en 2001. Il est sur 7 buts, 3 passes D en 24 matchs. Il peut jouer ailier droit, gauche. Il vaut combien? Ah ouais, sur Transfermarkt, on lui donne 60 millions déjà. Kubo, ça dit quoi? Ça parlait beaucoup de lui et puis. Pff, vraiment, vous laissez pas déprimer à cause de ce jeu. Vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Moi, je fais pour gérer émotionnellement alors que t'es fan d'Arsenal, normalement, ça doit te briser. Bah, l'expérience, le. La distance que j'ai réussi à prendre avec eux sur le plan émotionnel, hors les matchs. Pendant les matchs, vous voyez vous-même comment je suis énervé. Hein. Hors match, et puis voilà. Tu relativises, il y a d'autres choses. Ma religion, après ça regarde que moi, mais ma religion aussi fait que je prends de la distance sur ça, tu vois.
Martinelli est mauvais cette saison. Bah après, il a une petite blessure aussi, et puis on en parlait aussi sur Twitter, il n'est pas beaucoup aidé sur son côté. Hein. Très, très, très seul, Martinelli, malheureusement. Expérience. Ils t'ont trop tué, Arsenal. Vraiment. Ils m'ont brisé le cœur vraiment beaucoup de fois, plus jeune, qui fait qu'aujourd'hui, le match se termine, je fais mon contenu, une fois que j'ai terminé, je vais voir madame, on rigole, on se bagarre, on fait notre vie, on regarde un film, on sort, on... Je suis heureux, frère. Je suis en bonne santé, grâce à Dieu, elle aussi, mes parents aussi. Tu vois, ça te fait relativiser. C'est que 11, 22 mecs quand je... qui sont tapés un foot. Pourquoi je vais m'empêcher de manger? Pour moi, si on va en demi, il serait préférable que City gagne. Oui, absolument. Si nous, on gagne, City doit gagner, pitié. Parce que contre le Real, les gars, contre le Real, ah, je vous cache pas. Je sais pas si on gagne. Hein. City, j'ai plus d'espoir parce qu'on les connaît bien. Tu vois, on les connaît bien. Ça va être un match fermé, encore tactique, machin. Celui qui aura un petit peu de réalisme, bang, il marque. Le match s'ouvre parce que l'autre doit répondre. Et là, ça devient un match de folie et tout, ce qu'on n'a pas eu là, le dernier match. Mais ouais, City, il y a plus moyen. Et après, si tu arrives en finale, c'est un match. Bonne chance. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a un fan d'Arsenal, un TikToker, il dit que Zini et Jesus sont des espions de Manchester City. Qui a dit ça? C'est qui basse? Pour l'utiliser, ça reste du foot exactement. Vinicius, t'as besoin de personne pour détruire trois défenses, Martinelli et Saka en PS, en PLS. Ouais, mais Vinicius, c'est Vinicius. Nous, on n'a pas Vinicius. Pas Real, pitié. Moi, je veux bien Vinicius, hein. Mais va, Paul, va convaincre. Vas-y, on te regarde. Je pense pas qu'il va signer à Arsenal, Vinicius. Je pense pas. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Let's go! 996! Plus que 4 abonnés sur Instagram pour les 1K. Pas réel, pitié. Non, TikToker en anglais, t'as juste à taper Arsenal, Sunvilla, débrief, tu vas le trouver. Ok. J'avoue, je regarde pas trop les anglais, moi. Je regarde pas beaucoup de contenu. Hein. Un échange Mbappé, Odegaard, ça vaut. Non, 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 non. Bah, s'il est en PLS, là, j'ai vu sa vidéo, il veut faire un tête-à-tête avec Zini. Normal, normal, normal. Mais il faut pas vous mettre dans ces états-là, les gars. Il faut pas. Moi, c'est vraiment pour le contenu qui me fait me maintenir dans cet état. Tu vois. Mais après, une fois que j'ai fini tout mon live, mon truc, Kubo était très bon face au PSG. J'ai pas tout vu malheureusement. C'est tombé quand j'étais en à Amsterdam en vacances. J'ai pris une petite quelques jours de vacances. Arsenal est trop petit pour des joueurs calibre Ballon d'Or. Oui, c'est normal, parce qu'Arsenal est en train de revenir tout doucement. Donc c'est normal. Oh là, ça me fait peur là. J'ai des abonnés sur Instagram, mais les noms ils sont bizarres. J'espère que vous n'avez pas créé des faux comptes. Hein. Eh les gars, faites pas des trucs bizarres. Hein. J'espère que c'est vous dans le chat et pas des trucs bizarres. Hein. On veut des vrais abonnés ici. Moi, je dois aller chercher des marques là. À un moment donné, ça y est, on est là, on travaille, on est là toute l'année, toute la saison, je suis là, je fais des avant-matchs, des débriefs, des lives, je dois manger. Adidas, vous êtes où là? Comment ça, me sponsoriser là? Pardon, pardon. Je sais qui est ton abonné en plus sur Insta, mais je te dis rien. Let's go! Merci Tristan, mon gars, on est ensemble. Non, 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 je vois les noms, je vois les noms. Je vais enlever tous les abonnements que vous êtes en train de faire là. Je vais tout enlever. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il y a trop de noms bizarres. Je sais que ce n'est pas des vrais abonnements, ça. Imagine Arsenal gagne la Ligue des Champions, tu fais quoi? Franchement, en termes de contenu, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que je fais. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas prévu. Il faut que je fasse une dinguerie. Je crois que je vais sur l'Arc de Triomphe, je cours tout nu, je ne sais pas. Je fais une dinguerie. Moi, je suis vraiment abonné. Ah, ok. Quand ton Insta, je vais m'abonner. Randy, tiré du 8, AFC. Moi, je suis vraiment. Ouais, de vrai, je regarde tout le temps des débriefs. De quoi? J'ai pas compris. Moi, c'est ma deuxième famille. Ah, Arsenal, c'est ma deuxième famille, une source de bonheur. C'est comme ça, j'y peux rien. Non, mais moi, je comprends. Mais moi, je veux vraiment que vous sépariez votre bonheur en deux. Il y a le bonheur du foot et le bonheur de la vie, de la vraie vie. Bon, qu'est-ce que vous m'avez fait comme bêtise, là?
Mais le pire, c'est que 4 suivis. Le pire, c'est que c'est des comptes. Est-ce que je peux savoir, ils ont été créés quand ça? Tristan, je te vois. Par contre, il y a eu 4 comptes là. Enzo, c'est un vrai compte. Léo, c'est un vrai compte. Mais les autres, ça va dégager. Je vous le dis. Hein. Hop, ça dégage. J'ai pas confiance. Et ça non plus. Voilà. On veut des vrais abonnés ici. J'aurais pas un fake. Ah, ok. Ah merde. Bah, peut-être que j'ai enlevé quelqu'un qui était un vrai abonné. Si t'es un vrai, re-abonne-toi, s'il te plaît. Mon vrai bif, on va voir, il y a une sponsor. Et rep, on va voir flou, poteau. Moi, je dois manger, hein. Je dois manger aussi. J'imagine, on passe face au Bayern et que le Real, bah, City. Imagine juste Rodrigo vs Vini. Vini va pas bien. Va quoi? Je préfère sortir maintenant que de voir ça. Mais non, les gars. Mais non, mais non. On a passé les 1K sur Insta, Randy Goat. Bah, je crois pas parce que j'ai supprimé des abonnés, là. J'ai paniqué, j'en ai supprimé 3. J'ai cru que c'était des faux comptes. Tant pis, tant pis. Mon heure viendra. C'est pas grave. C'est le vrai Arteta. Oui, c'est le vrai, c'est le vrai. Arsenal, c'est bien. Chez moi au Congo, la sélection des Diables Rouges ont littéralement tué des gens par AVC. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Même aller en demi, ce serait masterclass quand on connaît le parcours de nos dernières années. Ce serait génial. Après, si on va en finale, ce sera entre les mains de Dieu. Exactement. Exactement. Prenez Rodrigo, il y aura Mbappé saison prochaine. Moi, je suis là. Hein. Merci Mohamed, mon gars. Let's go. 998. Ah, mais en fait, je viens de lui dire merci, mais il n'est pas là vu qu'il est sur Insta. Moi, Rodrigo, je prends. Rodrigo, je prends. Je vais pas balancer, mais Rodrigo, je prends. Mais ouais, bref. En tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés sur Instagram, les gars, ça fait plaisir. Faut que je continue à vous spammer. Moi, j'ai capté vous. Plus je vais rentrer dans votre crâne, plus je vais vous dire de vous abonner sur Instagram, plus là, vous allez le faire. En fait, je dois vous harceler. En fait, c'est ça, je dois être un harceleur. J'ai capté, je vais vous harceler. S'il faut vous harceler, vous en faites pas, je sais faire. Je sais faire, je suis un harceleur, moi. Je prends Rossellou? Non, non, non. Non, non, non. Mais ouais, en tout cas, merci à vous, les gars, comme d'habitude. Moi, vraiment, je kiffe, hein. Je kiffe ma life. Arsenal, ils sont nuls, c'est vrai. Ils ont perdu, c'est aussi vrai. Mais on reste dans la course. Ah ouais, il y a 47 commentaires sur le débrief. Mais vous êtes fous. Comment je vais répondre à tout ça, moi? Ya. Ah ouais. Vous étiez pas content là. Vous étiez pas content là. Jamais une femme pourra briser le cœur d'un fan d'Arsenal. Jamais une femme ou un homme ne pourra briser le cœur d'un fan d'Arsenal. Je suis assez d'accord avec toi. C'est. En fait, t'es immunisé. T'es immunisé. T'es immunisé. Et par contre, si tu te mets en couple avec un fan d'Arsenal, tu dors sur tes 2 oreilles la nuit. Il n'y a pas plus fidèle que nous. On est là, on souffre. On continue. On souffre, on continue. On souffre, on est encore là. On est là avec notre ex toxique. Arsenal, c'est notre ex toxique. On sait qu'il n'est pas bon pour nous. On sait qu'il nous fait du mal. Il nous traite pas notre juste valeur. On sait. Nos copines, elles nous l'ont dit, ça. Mais c'est l'amour. Il nous envoie, tu dors à 2 h du matin et putain, je suis en bas, viens, on discute. Et on descend. On descend, on descend. C'est plus fort que nous, l'amour a ses raisons. Eh oui. Arsenal, c'est un peu un pervers narcissique. Salut à Louvre. En roue libre. En vrai, réponds aux commentaires, mais on en parle. Là, maintenant, si on veut redevenir attractif pour les top players, faut qu'on décroche un titre histoire de prouver que le sort est rompu. Ouais, là, il faut qu'on aille chercher un titre. Mais en même temps, ça peut être un bon défi parce que les mecs peuvent se dire, ah, ils sont allés jusqu'en demi, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour aller au bout. Peut-être que c'est moi le mec qu'il faut pour aller au bout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je trouve que c'est un beau défi. Mais ce défi, tu peux pas le faire n'importe où. Tu vois? Tu peux pas aller dans n'importe quel club et tu vas à Valenciennes et tu dis,
Valenciennes, cette saison, ils n'ont pas été bons. Mais grâce à moi, ça va aller. C'est un peu nul comme défi, là. Enfin, tout, grand respect à Valenciennes. Je jure, même ma dernière rupture ne m'a pas fait aussi autant mal que le match d'hier. Je comprends. Je comprends, les gars, je comprends. Moi, je voulais lancer ce petit live, les gars. Je voulais lancer ce petit live pour que vous puissiez extérioriser. Parce que je sais que vous, là, vous êtes là chez vous, vous êtes des boules de nerfs. Moi, je suis. Tout va bien. Je peux l'accepter et mon cœur est toujours ouvert. Donnez-moi, donnez. Ouais, ils ont descendu, là, en plus. Ils sont descendus, Valenciennes. Je validerais une finale de l'essai PSG Arsenal comme ça, on est sûr que le gagnant gagnera sa première LDC. Bah moi je m'en fous, hein. Qui que ce soit, si c'est Arsenal, qui que ce soit en face, je m'en fous. C'est un match, sur un match, tu mets n'importe qui, tout est possible. Hein. N'importe qui peut battre n'importe qui sur un match. Bon j'abuse, hein, tu connais, mais tu comprends. Lâcher ma meuf pour un titre PL, franchement je signe. Elle n'est pas là. Elle n'est pas à la maison, là. Si on me propose. Si on me propose la PL et je perds ma meuf. Alors. Arsenal gagne la LDC, je suis sorti des schémas et j'ai vu une poule avec des dents. Oh là là, j'ai cru que c'était un rêve. Oh là là, Paul, c'est grave. Paul, tu fais quoi dans la vie? Une vraie question. Perso, je lâche ma meuf pour le doublé. Alors pour le triplé. Pardon. J'ai enregistré. Non, non, pitié. Elle est dans le live, attention, non, 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 non. Non, je sais qu'elle n'est pas là, je rigole. C'est bon, let's go, je suis encore en vie. Je suis encore en vie, let's go, let's go. Il me manque un abonné sur Instagram. Un abonné, les gars. Là, vous savez, je vise combien? Je vise 5K sur Insta. Si j'ai 5K, je serai content. Pour le triplé, je deviens moine. Il a dit, je deviens moine. T'abandonnes tout. T'abandonnes toutes tes possessions, tout. Tu pars dans un truc reculé. Oh là 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 là. Samba qui nous dit à l'instant, Arsenal n'a pas d'effectif. Le dernier commentaire qui a pop sur le débrief. 48 commentaires, mon Dieu. Je vais répondre après manger. Hein. Les options de Raya si on ne fait pas le double. Les options de Raya, c'est-à-dire. Ah, les options qui s'offrent à nous. Oh non, 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 non. Je suis en troisième année d'ingénierie. Incroyable, Paul. Incroyable, le boss. Pourquoi t'es tout le temps défaitiste comme ça, Paul? Pourquoi? Pour le triplé. Oh, Karim, oh. Personne t'a demandé. Je peux t'épouser. Non. Prenez les joueurs de Brest. Non, non, non. Après, Brest, je crois qu'ils font une bonne saison. Hein. Je crois que Brest, là. Brest est européen, les gars, je crois. Brest. Ils ont perdu contre Lyon. J'ai vu qu'il y a eu du cinéma, mais j'ai pas suivi. C'est pas mal, hein? 10 points du premier, hein, Brest. On est dans un monastère. On a déjà le Community Shield, ce sera pas une saison blanche. Ouais, mais dans les yeux des gens, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur, le Community Shield, dans les yeux des gens. Ils s'en foutent de ça. Je le parle de Community Shield, ils s'en foutent, ils veulent la PL avec des champions. Ou même la FA Cup. Si on avait gagné la FA Cup, les gens ils seraient venus dire ouais, mais c'est que la FA Cup. Tu vois, donc en vrai de vrai. Non, on n'a pas. Arsenal. Non, 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 non. Si tu commences à les appeler comme ça, Paul, moi je suis désolé, tu vas reprendre ton ban. Hein. On est dans le même bateau. Tu peux pas commencer à utiliser des termes que les autres équipes utilisent contre nous. Pas un mec d'Arsenal, j'accepte pas, frère. Crois que le Barça va gagner la LDC ou pas? Non, non, non. Ils vont battre le PSG, mais ils vont pas gagner la LDC. Pour moi, le Barça, ils vont en finale. Je le sens comme ça. Titre en carton, mais non, Karim. Pour le triplé, là, je marche du Sénégal jusqu'en Angleterre. Suis mort.
Reste en Ligue des Champions, c'est fou quand même. Parce que j'ai pas de meuf, mais je suis comblé chaque week-end par Arsenal. C'est beau. Ça reste un plaisir de les revoir à ce niveau. Voilà, Tristan. Ça, c'est. Tristan, t'es mon gars. Ça, c'est des beaux messages que j'aime lire. Il a dit désolé, Paul. Non, il y a des mots qu'on peut pas. Nous-mêmes contre nous-mêmes. Non. Non. Quand même. On peut pas faire ça. Je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre plein de choses. Mais là, c'est des termes. Non, non. La FA Cup, faut pas cracher dessus. Moi, je crache pas dessus. Hein. Et en Angleterre, la FA Cup, ça a une vraie valeur. Hein. C'est nous en France. Pour nous, la FA Cup, on s'en fout. Mais en vrai, là-bas, ça a une valeur. Hein. Paul, c'est comme Zini, c'est un espion. Je suis mort. Salut Merwan, comment tu vas? Les supporters d'Arsenal, c'est les meilleurs du monde et les plus fidèles. Pas de titre majeur depuis 20 ans. Ils sont encore là. Ouais. On est encore là et on souffre encore et on y croit encore. Et on continuera. City, meilleure équipe de Premier League actuellement. Premier au classement, mais c'est pas la meilleure équipe. Non. Dans le jeu, etc., c'est pas la meilleure équipe. Sur le début d'année 2024, même sur la saison entière, c'est pas. Ils sont moins bons que l'année dernière. Et c'est ça qui est terrifiant avec City, c'est qu'ils sont moins bons que l'année dernière et ils sont premiers. C'est là où tu dis cogite. Tu dis, ah ouais, punaise. Ils arrivent à être moins bons. Et être premier. C'est quoi ce niveau de malade mental? Salut Francesca. C'est comme en Angleterre, ils s'en foutent de la Coupe de France. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Pour eux, ça n'a pas de valeur, quoi. Ils s'en foutent. Mais ouais, bref, les gars, il va falloir vous reprendre là, tous ceux qui sont pas bien là. Ce n'est que du football. Reprenez-vous. Eh, vous savez que. City, équipe plus forte du monde, sans public, c'est quoi ce club pétrodollar? Non, mon bac. Vous savez que. C'est la meilleure équipe, clin d'œil, tu sais déjà. Vous savez que j'ai mis un tweet le 7 avril. Le 7 avril. Où j'ai mis Arsenal va gagner la Première Ligue et la Ligue des Champions. Et un mec sur Twitter. Il a mis ce tweet en signé, donc en gros il l'a enregistré pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. Et il a attendu. Il a attendu. Il a attendu, 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 attendu. Et dès qu'on a fait le premier faux pas, mais vraiment, coup de sifflet final, tweet. Franchement, je suis honoré. Je vous jure. Franchement, je suis honoré. Salut Dorian. Franchement. La Ligue McDo, je suis mort. Franchement, je suis honoré. Parce que ça veut dire que il y a des gens, je suis dans leur tête de ouf. La maladie mentale. Ah non, mais frère, ça veut dire que je suis tellement dans sa tête. Je suis tellement. J'ai un appartement dans sa tête. J'ai un duplex. J'ai un appartement, un haussmannien. J'ai un haussmannien dans sa tête. J'ai une villa, un loft. La villa des cœurs brisés dans sa tête. Pour que il a dû regarder Arsenal et tout et se dire au moment où on a perdu Randy AFC sur Twitter, il faut que j'aille répondre à son truc de la semaine dernière. Oh, mais je suis franchement, je suis honoré. Je vous jure, je suis honoré, salut Julie. C'est vous comme les mots Arsenal. Non, il m'énerve pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais un gunner qui dit ça, pour moi, ça n'a juste pas de sens en fait. Mais vraiment, les gars, pour finir ma petite histoire, j'étais honoré. Je me suis dit, c'est que en vrai de vrai, ce que je fais, bah je le fais bien. Je le fais bien et je vais dans la bonne direction. Si pour des mecs comme ça qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas, une victoire ou une défaite d'Arsenal, ils pensent à moi, Ranti, c'est que je fais ce qu'il faut. Paye les loyers maintenant, mon gars, ah, poto. Dis-lui, il faut commencer à ralasser un peu. Hier, sur les pages Facebook d'Arsenal, il y avait plein de haters qui ont fait irruption. Ah ouais, mais c'est que vraiment, c'est même plus être dans leur tête, là. C'est un appartement dans leur tête. Oh. Et le nombre de personnes, vous savez que le nombre de tweets que les gens, que je fais, que les gens, ils mettent en signé. Mais à la fin de la saison, les gars, moi je vais désactiver Twitter pendant 2 semaines. Non, je regarde pas du tout, frère. Il y a tellement de gens qui vont me tomber dessus. Wesh, Achille, il t'arrive quoi?
Oh! Achille, je te banne pas parce que je te connais, mais n'importe qui vient dans le chat et écrit ça, frère, ça dégage. Hein. Belek, hein. Ah, tu répondais à Focus, c'est ça? Arsenal est finito depuis des années. Ouais, ça fait des années qu'on est finito, c'est vrai. On est en train d'essayer de revenir depuis 2 saisons maintenant. C'est pas encore ça, mais on est en train petit à petit. J'ai fui le réseau toute la soirée d'hier. Vous savez que hier, je fais mon. On finit le live et tout. Tac. Après, je vais faire un live avec Bass, mais au final, il est pas venu. Salut, Okbay. Il n'est pas venu. Et je fais mon débrief, je tourne mon débrief, tac, je le monte. Je sors mon débrief. Je prends mon téléphone. Je vois TikTok plus 99. Instagram plus je sais pas combien, 80. Twitter, il te met 20 plus. Et à partir d'un moment, Twitter, il compte plus. Je suis allé regarder mes notes. J'ai pris mon téléphone comme ça. Je faisais ça avec les notifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. J'ai ouvert TikTok. J'ai vu 75 commentaires. J'ai fermé. J'ai dit, frère, on est en train de me cuisiner là-bas. Hein. On est en train de faire une sauce poivre. On est en train de me plonger dans une sauce poivre. J'ai ouvert Twitter. J'ai vu les notifs comme ça. J'ai dit, oh là 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 là. Oh, laisse tomber, frère. Mais ça m'a fait rire. On m'avait trop rire. Dieu merci, j'ai jamais été sur Twitter. Twitter, il faut avoir les reins solides. Tu prends Bakayoko? Non, pas trop, pas vraiment. Il y a Reco ou BR qui t'a banné. Reco, Reco, Reco. Parce qu'en fait, on avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo chez French PL où on essaie de décider qui allait gagner la première ligue. Moi, j'ai dit que ça allait être Arsenal, évidemment. Et Reco a dit que ça allait être City. Et du coup, il m'a mentionné en disant, ouais, c'est comment et tout. En vrai, c'est marrant, c'est marrant. Wax. Pour toi, Lewandowski. Aurait pas dû aller au Barça ou pas? Non, en vrai, pourquoi pas? Il a raison de tenter un petit nouveau projet, entre guillemets. Un gros nouveau projet. Et là, il a fait un match, Lewandowski contre le PSG. Waouh. Et Lamine Yamal, futur crack ou pas? Oui. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match, j'ai vu des gens. C'est lui votre crack et tout, les gars. Le mec fait un match où il est un peu en dessous, direct comme ça. C'est trop d'être aigri, wesh. Le calendrier, il est contre nous aussi. C'est trop. On avait le calendrier le plus compliqué, ouais, c'est clair. Là, il va nous rester du Tottenham, United, Chelsea, Wolverhampton, Bournemouth, Everton. Les autres, ils ont des trucs bien plus simples. Le poids de la couronne est lourd, même pour celui qui doit la porter. Arox, tu me tues. Frère, je suis personne. Vraiment, je suis. Mais je kiffe. Je kiffe ma petite life. Je fais mes petites vidéos. On est là, on est à 3100 abonnés sur YouTube. On est bientôt à 1000 abonnés sur Instagram. Sur TikTok, je suis à 42 000. Mais bon, j'avais des abonnés d'avant. Avant, je faisais du gaming et tout, donc ça compte pas. Mais j'ai des abonnés là-bas. Twitter, je suis bientôt à 3000. Tu vois, je suis en train de monter, tout doucement. Enfin, United, Chelsea, force à eux, ils ont des saisons qui sont pas simples. Tu prends Rafinha. Rafinha, j'ai pas assez suivi sa saison, mais je crois que lui, c'est un joueur un peu comme ça, non? Rafinha. Je t'avais dit avant le match qu'Emery allait mettre une clim à l'Emirates. Emery, il a fait du sale. Hein. Franchement, il a fait du sale. On dit ça, j'ai plus d'âme. Aide-moi, je pense à. Doucement, Gabache, doucement, doucement, doucement. Doucement, Gabache, ça va aller, parle-moi. Dans ses speeches, t'es titu en quart de laisser, personne ne peut dire que t'es pas un crap. Mais vraiment, mais Merwan, frère, j'ai vu des gens, j'ai dit, mais vous êtes des aigris, frère. Vous êtes des aigris. En mode, ça l'attend comme ça, sniper. Ça attend la moindre contre-performance pour tirer sur lui. C'est lui votre crack. Ouais, soyez heureux de voir un jeune qui vient de naître. Il sort de l'œuf. Il sort de l'œuf. Il sort de l'œuf, Lamine Yamal. Il sort de l'œuf. Il est là en quart, wesh. Plus un YouTube. Merci, Brian. Tu stream du FIFA ou pas sur Twitch? Non, j'ai arrêté Twitch pour l'instant. T'as vu comme j'utilise la langue démoniaque? C'est trop, c'est trop. Tu roucoules. Vous avez affronté hier deux personnes qui étaient chez vous, Emery Martinez. Ouais. Et ça, c'est. Ça a tourné à leur avantage. Quand j'ai que des envies effrayantes, je commence à penser que Luton va gagner la. Non, 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 non. Ça va aller, Gabouche, ça va aller, frérot. C'est une défaite en 2024.
faut surtout pas tomber dans le piège de tous ceux qui nous vannent et qui disent qu'on est nul et qu'on a choke, soi-disant, alors qu'il y avait un point d'écart, même pas. On était à égalité de points avec Liverpool. On n'a rien choke du tout. On aurait dû gagner, on n'a pas gagné. Liverpool, ils devaient gagner contre Crystal Palace, ils n'ont pas gagné. Bizarrement, tout le monde vanne Arsenal, alors que Liverpool, personne ne les vanne. Pourtant, ils sont dans la même situation que nous. Il faut juste pas tomber dans ce piège-là de tous ces gens-là. Tu regardes pas, ou tu bloques, ou tu les masques. Et voilà. Et tu restes focus. Tu vois, va voir tes potes, va voir ta meuf, va voir tes parents, tes frères et sœurs. Va voir des films, va au cinéma, sors, vis ta life, frère. T'es jeune. C'est pas un club de foot qui va gâcher des journées. Le temps, ça se rattrape pas, frérot. Soit que notre team sort la tête de l'eau, tout doit commencer par la fanbase qui doit leur transmettre des ondes positives. Oui, c'est vrai, en croyant en eux, exactement. Ils sont juste frustrés, attendre un petit de saison, c'est vraiment pas. En plus, un petit de saison, c'est pas lui justement que t'attends dans ces rendez-vous-là. C'est pas un jeune de 16 ans que t'attends. Je crois qu'Arsenal chez vous, ça n'existe pas. Noaneri arrive. Je peux être kiné pour regarder pour demain, quoi? Pour qu'il revienne mercredi? Critiqué par des gens qui ont 31 piges. Ah, vraiment, c'est des gros darons. Bref, faut y croire jusqu'au dernier match. Tant que mathématiquement ce n'est pas terminé, moi j'y crois. Je me suis abonné à ta chaîne avant sa perce. Que Dieu t'entende, mon frérot. À tous mes croyants, priez pour moi. Et Lewis Kelly, et Omeshido, tu sais déjà, toi. J'aime bien, Dorian, j'aime bien. Yamal est bon, mais un peu surcoté. Il s'en parle. On dirait il a mis 10 buts cette saison. J'aime pas le mot surcoté, moi. J'aime pas ce mot. J'aime pas. Il a 16 ans. Laissons-le se développer tranquillement. Il n'y a pas de sous-côté, surcoté, je sais pas quoi. Je trouve ça gâche tout. Tu catégorises tout. Tous les joueurs. Même crack, j'aime pas en vrai. Laissez les joueurs, c'est des jeunes. Laissez-les kiffer. Venez, on leur prend pas la tête. Venez, on rentre pas dans des débats, dans des trucs où on est des darons. J'ai 26 ans. Il en a 16. J'ai 26 ans, c'était en juillet. Je vais commencer à dire surcoté, sous-coté. Non, frère. Il kiffe, tant mieux. Qu'il s'améliore petit à petit. J'ai juré, Liverpool, ils ont choqué toutes les actions et c'est Arsenal qui prend. Je sais. Non, mais vas-y, faut pas calculer, frérot. Faut pas calculer. 5 matchs, 25 buts. Hobby? Non, mais c'est n'importe quoi. Salut Kelly, merci pour l'abonnement. Ceux qui s'abonnent, abonnez-vous parce que vous aimez le contenu sur Arsenal, vous aimez le football. Vous abonnez pas juste pour me faire plaisir, pour que je vous dise merci, ça m'intéresse pas, vraiment. Abonnez-vous pour de vrai. Salut Pessi, comment il va? J'ai raté beaucoup. Voilà, ça fait 87 minutes qu'on est en live et je vais pas tarder à partir. Pour être très long. Yamal va faire du Fatih, on verra, souhaitons-lui le meilleur. City, ils ont vendu Palmer à Chelsea. Jules Cesigny, il y en a un, il a plus de 10 buts. 10 passes D. Et Palmer, il fait une bonne saison. Hein. Palmer, il fait une bonne saison. Hein. La vidéo du Bayern arrive quand? Demain. Je ne l'ai même pas tournée encore. Je devais la tourner aujourd'hui. Au final, j'avais 2-3 trucs à faire ce matin. J'avais des rendez-vous. Et après, je suis parti jouer à Valorant. Je suis parti jouer à Valorant jusqu'à là, 18h, quand j'ai lancé le live. Du coup, je vais la faire demain. Et elle sortira demain, après fin d'après-midi, je pense. J'ai même pas parlé avec Kylian encore pour la mini en plus. Je me suis abonné. Merci Kelly, c'est gentil. Bienvenue à toi. Merci. Bref, les gars. Sur ce. Lui, on prend Xabi Alonso. Non! Sur ce, les gars. Si vous n'êtes pas désabonné à la chaîne sur YouTube, vous voulez donner de la support, le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Mettez un j'aime aux vidéos, un petit commentaire. Allez vous abonner sur Instagram. Il nous manque un abonné sur Instagram. Un seul. Un seul pour les 1000 abonnés sur Instagram. Donc abonnez-vous. Je compte sur vous. T'as vu mon thread? Non, j'ai pas vu encore. J'ai pas vu encore. J'ai pas eu le temps, j'avais des trucs à faire et après j'ai geeké comme un porc. Bonne soirée, mon gars. Et merci à toi de passer. Merci à vous tous, les gars. Est-ce que tu as un site ou quoi pour regarder les matchs des jeunes? Non, pas du tout. J'ai rien du tout, frérot. Je vais le faire tout de suite. Merci, 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 merci à tous ceux qui prennent le temps, qui font l'effort d'aller là-bas, de s'abonner, Randy, tiré du 8 AFC. Voilà, je compte sur vous. C'est grâce à vous que je vais pouvoir faire des choses, encore plus de choses. Parce que là, évidemment, comme vous vous en doutez, c'est pas mon métier. J'en vis pas, je gagne des miettes sur YouTube. Voilà. Mais plus on va avoir des chiffres. Plus on va pouvoir faire des choses, plus on va pouvoir être contacté par des marques, plus je vais pouvoir vous rincer, faire des concours, plus je vais pouvoir faire des choses. Et la force, elle peut venir que de vous. Donc si vous vous décidez
que je peux, je mérite tout ça, bah c'est vous. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Moi, je fais juste le taf. Après, c'est vous, vous décidez. Donc voilà. Merci à vous. T'es le goat. Ça m'a attrapé. Pourquoi? La compo probable et le graphique camembert. Il y aura tout. Il y aura tout, Gamoche. Il y aura tout, il y aura tout. Merci, merci, merci. Ceux qui ont Instagram, c'est pas grave. Hein. Je vous demande pas de créer Instagram ou quoi. C'est vraiment ceux qui utilisent déjà. Je vois que Boris, par exemple, s'est abonné il y a 20 minutes déjà. Donc merci, je pense qu'il devait être sur le chat. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous. Julien qui arrive à la fin, je suis désolé, frérot. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous. Faites pas de bêtises. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se voit demain, 18h normalement, à peu près, peut-être un peu plus tard. La vidéo avant-match Arsenal, Bayern, Bayern, Arsenal. Je compte sur votre soutien comme toujours. Je vous aime. Faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.